C'est un morceau qui aurait pu passer inaperçu sans le talent d'un magicien allemand. Ce titre, Pre-Ansi, sorti en 2010 par le groupe Lilywood and the Prick, ajouté in extremis sur leur album de l'époque, est devenu 4 ans plus tard le tube de l'été. À l'origine, cela donnait cela. Une rengaine qui plaît au DJ allemand Robin Schulz, qui demande poliment au groupe via Facebook s'il peut remixer le morceau. Pre-Ansi, nouvelle version, c'est déjà 8 millions de vues sur YouTube, près de 350 000 téléchargements. Le titre s'est classé numéro 1 en France et en Europe. Des remixes qui valent de l'or, l'histoire de la musique en a connu, comme Likili, la Suédoise, qui dit aujourd'hui merci à la Belgique. I Follow Rivers, là encore sorti discrètement en 2011, fait un tabac remixé par le DJ The Magician, à ce jour 40 millions de vues. Et même si ces chansons font rêver, les histoires ne sont pas toujours belles. Suzanne Vega a fait les frais de ses remixes. En 1990, son Tom's Dinner est retouché par les Britanniques de DNA, mais sans la permission de l'artiste. Suzanne Vega n'aura pas eu gain de cause. Son label a fondu sous le succès de la nouvelle version et a préféré l'acheter plutôt que d'engager des poursuites.